Et chez ma tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi, je vais bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une suite de la chasse au secret. Depuis la dernière mise à jour, il y a pas mal de choses qui bougent, pas mal de choses intéressantes. Voilà, j'ai pu un petit peu chercher, j'ai pu un petit peu découvrir du côté des Anglais ce qu'ils avaient trouvé, etc., etc. Et effectivement, il y a quelque chose qui est hyper intéressant que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, rappelez-vous, donc on va aller d'abord dans la caverne. Rappelez-vous, la petite caverne derrière la station service qui est juste là. On a découvert un passage secret vers la Secret Agency, l'agence secrète. Hop, on se mange le mur, c'est parfait. Voilà, juste là. Et vous remarquez ici, regardez bien parce que c'est ultra important pour la suite. Il y a les petits interrupteurs là qui sont en rouge là, avec les LED rouges. Alors concernant cela, parce que vous avez également été très nombreux à me dire oui mais le tableau c'est quelqu'un qui l'a écrit, etc., etc., ça n'a rien à voir. Si si les amis, je pense que vous n'avez pas l'habitude d'aller sur un serveur, enfin sur un serveur privé entre guillemets. Vous allez souvent sur des serveurs publics et sur les serveurs publics les gens changent le message qu'il y a sur le tableau. Mais sachez qu'actuellement je suis sur mon propre serveur privé et du coup le tableau n'a jamais été changé. Donc c'est vraiment ce qui est écrit à la base sur le tableau, à la base des bases avant que des joueurs ne le modifient. Ça donne ça. Effectivement 1 plus 2, 3, 6, 10, 5, 15, moins 11 ça fait 4. On va essayer de mettre 4, voir si ça change quelque chose. Ça ne change rien, mais maintenant... quelque chose vraiment de nouveau. Mais retenez bien ça encore une fois. Retenez bien tous les interrupteurs rouges. Vous allez voir, ça va peut-être changer avant la fin de la vidéo. Mais bon, vous allez le découvrir. Donc, il y a quelque chose ici. Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est venu après ou si ça existait depuis le début, mais je ne l'ai pas remarqué. Mais ici, il y a un petit bout qui dépasse juste là. Alors, attendez, je vais prendre les jumelles. Vous allez voir mieux. Et en même temps, je vais sortir également le sac de couchage parce que c'est ce qui va nous permettre de voir ce qui est écrit sur ce petit tableau-là qui est caché dans le mur. Et les jumelles qui sont ouf. Vous allez voir qu'il y a un petit carré. Ben, je pense que vous l'avez remarqué. Il n'y a même pas besoin de jumelles pour les voir. Mais bon, hein, pour ceux qui ont des petits... des petits écrans. Voilà, regardez juste là. Il y a un petit bout qui dépasse. On croirait un petit caillou ou je sais pas, un petit objet qui dépasse. Et on va découvrir ce qu'il y a écrit dessus. Donc on va essayer de se caler. Non, ça marchera pas si je fais comme ça. Je pense que j'y arriverai pas comme ça, mais on va voir. On va voir. Si, si, j'y arrive. Voilà. Ok, là on voit hyper bien. Et dessus, il y a marqué TS level 3. Voilà, il y a des gens qui disent que le S est peut-être un 5. Mais honnêtement, selon moi, c'est plus un S qu'un 5. Il a l'air quand même bien recourbé pour plus ressembler à un S qu'un 5. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez. Moi, honnêtement, je vois TS level 3. Alors là, encore une fois, il y a quand même déjà pas mal de théories qui tournent autour de ce petit écriteau. TS, il y a des gens qui disent que ça peut être le technical support. Donc n'oublions pas que le jeu est en anglais et donc il faut l'interpréter comme les anglais. Donc avec des mots anglais et non pas français. Donc le TS signifierait des mots qui sont en anglais. Bon, on a de la chance de ce côté-là. Technical support, c'est le support technique. Ça veut dire la même chose. Enfin, les mots sont transparents en anglais français. Mais ça peut vouloir dire pas mal de choses. TS, ça peut être T pour le terminal. Quelque chose comme ça. Peut-être que le S est vraiment un 5 et du coup c'est terminal 5. Après le level 3, là je suis un petit peu moins vague. Pour moi, level 3, le level 3 c'est un étage. Il faut savoir que les étages en anglais, me semble-t-il, qu'on dit level. Donc par exemple, si on dit qu'on veut aller l'étage numéro 4, on dit level 4 quoi. C'est un bail comme ça. Même si je crois qu'en plus on dit pas le 0. Il me semble qu'en anglais... Dites-moi s'il y a des gens qui sont plus calés que moi en anglais. Mais il me semble qu'en anglais, on dit pas que le rez-de-chaussée c'est pas le niveau 0. Le rez-de-chaussée c'est le niveau 1 déjà, etc. Donc bon. Mais bon, ça c'est à vérifier. En tout cas, level 3 pour moi ce serait plutôt un étage qu'on doit peut-être aller voir. Peut-être que ici on n'est pas au bon étage. Donc voilà, mais bon. Le fait d'avoir découvert ce panneau, comme vous l'avez constaté, n'a rien changé à ce qu'il y a ici. On est toujours avec des interrupteurs rouges. Ça, ça n'a pas bougé.
Ah, j'étais en train de me dire, il y a des petits points ici écrits au-dessus. Alors, est-ce qu'il y a le même nombre de points ici et là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, il y a 11 ici et en bas, les grands, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc peut-être que là, c'est que des petits points. Donc, en fait, ce n'est pas le reflet de ce qu'il y a sur le tableau. Il n'y a un petit point en plus en haut qu'en bas. Donc ça ne doit pas être la même chose. Il y a peut-être ça, ce serait plutôt pour écrire un message. Là, il y a marqué Power On et là, il n'y a rien marqué du tout. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi le sorte de petit, la petite cabine pas loin du lac où on peut activer ou désactiver. Honnêtement, j'ai déjà activé, ça n'a rien changé. Donc peut-être que je le fais pas dans le bon ordre. Je ne sais pas trop. Mais attendez, on va vérifier un autre truc. Donc hop, on va ressortir d'ici, on va prendre la quinzaine mobile et on va aller dans la maison abandonnée. Donc pour ceux qui ont déjà vu ma dernière vidéo sur ce secret, vous savez pourquoi on va à la maison abandonnée. Hein, c'est pour aller récupérer le code du cinéma. Donc le code, vous m'aviez dit qu'il changeait. Donc moi en fait avec quelqu'un d'autre on avait eu le même code. Donc je me suis dit peut-être que c'est le même code pour tout le monde. Mais finalement non. Donc soit on a eu extrêmement de la chance, je ne sais pas. Soit il y a quelques codes différents mais il n'y en a pas non plus. Il commence toujours par la même chose de toute façon. Là on va aller vérifier. Donc hop, moi je sors le sac de couchage. Par contre je sais pas, il y a des gens qui ont... ils ont déjà et qui sont ouverts ici, mais moi c'est pas ouvert du tout. Alors attendez, le code peut-être pas bien mis. Ok, je crois qu'il faut que je bouge mon sac de couchage. Il n'est pas bien. Okay. Essayons comme ça. Alors, 70 468. Ouais, on le voit très très mal, mais moi j'arrive à le voir. Donc il a encore changé, mais j'ai l'impression qu'il commence toujours par 7, par 70 000 quelque chose. J'ai toujours eu des codes comme ça, et les gens avec qui j'en ai parlé aussi. Alors je vais quand même le noter, parce que vous savez, moi et les... Je vous ai déjà dit que j'avais une mémoire de poisson rouge. Petit stylo, j'écris sur mon genou... Il y a encore des gens qui vont demander qu'est-ce que j'ai écrit comme connerie sur mon corps. Mais bon, je leur dirais que c'est un nouveau tatouage. Ok, 70 468. Et maintenant, on va direction le cinéma pour faire tourner le film. Et vous allez voir que ça va peut-être changer quelque chose. Je laisse le suspense jusqu'au bout, hein, mais bon, je pense que vous savez que si je vous montre ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Sinon, je vous le montrerai pas, c'est que j'aurais pas avancé. Ça se fait, il y a des gens qui ont déjà fini de tout faire. Moi, j'en suis seulement au début de cette énigme. Mais bon, hein, ça fait toujours un petit pas, voilà. Donc en fait, vous allez au cinéma juste là. Et là, il y a un film qui est en train de tourner. On va le changer, on va insérer le code juste là. On va taper 70 468. On valide, ça change le film. Et là, on descend en bas et on a le film avec le monsieur Brookhaven. Je pense pas que ça vous intéresse de le revoir. Après, effectivement, en fait, on a remarqué que le sorte de soldat, le sorte de Gugus de l'agence secrète, c'est lui, en fait, qui se transforme en zombie, parce qu'il est habillé exactement pareil. Mais bon, ça, on l'a déjà vu dans l'autre vidéo. Et maintenant, on va retourner au niveau de la station-service pour voir si quelque chose a changé. Là, je rigole, il n'y a rien qui a changé. C'est moi qui me suis fail quelque part. Mais bon, on va aller voir... À la station, vraiment, je roule très très mal. Attendez, la station, elle était où? Là, juste là derrière. Moi, j'ai vraiment zéro sens de l'orientation dans les jeux comme dans la vraie vie. Allez, on y va. Hop, la petite quinzaine mobile. On se gare juste là et on va vérifier dans la pièce. Alors, d'après vous, est-ce que quelque chose a changé ou non? Or, là, on peut remarquer que le code est toujours là. Ça n'a pas bougé. Et on va aller voir. Alors, je regarde le sol pour le suspense et... Attention, bim! Voilà les amis, il y a un truc qui a changé. Il y a un truc qui a changé les amis. L'interrupteur est devenu vert juste là. Donc je pense qu'il faut activer tous les interrupteurs ici. Enfin, faut que la LED devienne verte. Et du coup, il y a 11 choses. Attendez, 11 en haut, 10 en bas. Je crois que c'était 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il y a 10 choses à faire pour tout activer sur cet écran.
Mais jouer le film, eh bien, ça active toujours la deuxième LED. J'ai essayé de le reproduire pour voir si c'était aléatoire, mais non, c'est toujours la deuxième. Or, il y a un truc à faire avant. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre précis obligatoire. J'ai l'impression que non, parce que si la deuxième, elle s'est allumée, c'est qu'on n'est pas obligé de faire la première avant la deuxième. Mais en tout cas, voilà, jouer le film au cinéma avec le code, ça active ça. Et c'est... Enfin, vous allez peut-être rigoler, vous allez dire, mais Quinzel, t'as juste activé une LED sur les 10. Mais moi, je suis contente, j'ai quand même réussi à en activer au moins une. Mais bon, on remercie quand même beaucoup aux Anglais qui ont bien aidé pour ça. Hein, Et notamment aussi à tous vos commentaires qui m'ont quand même donné pas mal de choses. Et encore, je n'ai pas encore eu le temps de tester tout ce que vous m'avez dit en commentaire, parce que des commentaires, il y en a eu énormément. Encore une fois, si vous faites des découvertes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Et moi, j'essaye de checker un petit peu toutes les pistes. Et c'est notamment beaucoup grâce à vous. Et merci énormément à vous. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai appris un petit truc aujourd'hui et que ensemble on va pouvoir avancer pour découvrir qu'est-ce qui se passe derrière tout cela. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre dimension. Non, non, je deviens pas tarée. Tout va bien chez moi, vous inquiétez pas.